Bonjour les amis, c'est Gérald de Gérald Service. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer ce qui se passe avec mes vélos de location lorsque la saison est terminée, et ce qui est le cas, bien qu'il fasse encore un super beau temps aujourd'hui. Ça y est, on a passé le 15 octobre, c'est la fin pour moi des locations touristiques en Bretagne. Et voilà ce qui va se passer. À tout de suite. Alors, comme je vous le disais, voilà, c'est un vélo qui est donc à fait toute la saison. Là, il vient de finir 4 jours avec une météo pas forcément terrible, pas mal de terre, vous voyez, comme vous le voyez, de la boue, de la terre. Mais bon, c'est l'occasion de refaire une révision à 100% parce que je vais le mettre en vente en occasion. Et on va regarder dans le détail ce que je vais faire et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant d'acheter un vélo chez Gérald Service en occasion sur mes flottes. Donc, c'est des vélos très récents. Ils ont fait une saison, voire une petite deux saisons grand maximum. Et je vais changer les pièces les plus importantes de façon à ce que vous ayez un vélo propre à votre taille, garanti encore un an en occasion pour un prix autour de 400 euros plus ou moins. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour faire un petit peu le tour du vélo. Donc ce que je regarde le plus assez importante, c'est l'éclairage. Parce que l'idée, c'est d'avoir des vélos qui fonctionnent correctement. Ici, on a un moyeu Shimano qui va permettre de vous apporter ce fameux éclairage. Voilà, aussi bien à l'avant que à l'arrière. Donc voilà, ça c'est la première des missions que je regarde, c'est que toute la partie électrique fonctionne vraiment bien. Ça c'est une valeur ajoutée que j'ai mis en place. Donc forcément, bon, bien sûr, il y aura tout le nettoyage qui sera fait. Ce qui est très important dans un vélo d'occasion, c'est la partie transmission. Donc le plateau, le dérailleur, la chaîne, les deux dérailleurs arrière, avant, ainsi que les manettes. Donc ça c'est vraiment quelque chose également très important, que ce soit en état. Si vraiment il y avait un gros souci sur le plateau, dans ces cas-là je ne perds pas de temps, j'en mets un tout neuf. Alors certes dans ces cas-là le prix sera un petit peu augmenté, mais au moins vous aurez une transmission sans problème. Ce qui va être aussi hyper important, c'est la partie freinage. Donc là en l'occurrence, vous voyez, c'est un petit détail, mais le câble il a été pincé, il a été réglé plusieurs fois, donc là forcément je change le câble immédiatement et puis bien sûr je vais changer les patins, vous mettre des patins neufs. Grosso modo vous vous retrouvez avec un vélo en état vraiment de très bonne qualité. Aussi je vais faire un nettoyage complet sur la partie donc transmission arrière, ça aussi c'est très important, bien sûr vérifier l'état des pneus, tout ça. La béquille, ça aussi c'est vraiment chose important. Bon bref, voilà les petites modifications, les petites réparations que je vais faire, et vous allez avoir vraiment un vélo irréprochable, garanti un an. Donc comme vous l'avez compris, j'ai un petit peu de travail, je n'ai pour au moins une heure, voire une heure et demie pour faire ça le mieux possible, en sachant que derrière ces vélos sont irréprochables et je les garantis sur un an, vélo occasion garanti un an. En termes de tarifs, on est autour de 400 euros, en sachant que neuf, c'est un vélo qui coûte autour de 700-750 euros. Et il y en aura à peu près 5-6 femmes et la même chose pour les hommes, donc du vélo trekking. Voilà, je vous mettrai en lien d'autres vidéos que j'ai faites pour avoir plus d'informations sur ce vélo. En tout cas, je serai disponible sur Rennes, sur Saint-Malo. Ils seront régulièrement dans mon camion quand je vais faire des entretiens. Donc n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par SMS, par ce que vous voulez, pour pouvoir avoir des informations, puis je viendrai vous les montrer. Bah écoutez, je suis de retour, ça fait quelques mois que je n'avais pas fait de vidéo, donc ça y est, la grande saison touristique pour moi est finie, donc je vais pouvoir vous partager tout ça. Alors, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un like, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt, bye bye. J'avais oublié quelque chose à vous dire, en petit bonus sur le vélo, je vais remettre cette pièce toute neuve. C'est tout simplement le cache pour le plateau, voilà, de façon à, lorsque vous êtes en habit de ville, en pantalon, en jean, que vous n'ayez pas les jambes toutes sales. Donc voilà, c'était le dernier point, il est tout neuf et ça sera un vélo vraiment magnifique. Voilà. Finalement, la cliente est arrivée un petit peu plus tôt que prévu pour venir chercher son vélo, alors soyez certains qu'il était dans un très bon état et qu'elle était entièrement satisfaite. Juste un point pour vous dire que
Il y a bien sûr d'autres vélos à vendre. Et si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter. Là, je vous ai parlé du vélo trekking, mais j'ai aussi d'autres styles de vélo, comme le vélo gravel. Là, j'ai vraiment des occasions très intéressantes. Et puis également des vélos à assistance électrique, avec des flottes qui se renouvellent régulièrement. Donc n'hésitez pas, contactez-moi si vous avez un projet, même si c'est 6 mois à l'avance, il faut me le dire pour qu'on puisse le réserver. Et bien sûr, vous allez pouvoir absolument l'essayer. Vous aurez un vélo qui sera absolument à votre taille et on pourra rouler ensemble. Et je vais quand même comme ça vérifier la bonne hauteur de la selle, du guidon, bref, faire en sorte que vous ayez le vélo le meilleur possible. Voilà, c'est fini, à très bientôt.